T'as raté le petit-déj. T'as raté le petit-déj. Tant que t'as pas raté les matins d'Isaac, c'est parfait. Parfait. Allô? Oui, allô? Bonjour, c'est le président Salvatara. Bonjour, monsieur le président. Vous allez bien? Nous allons très bien, merci. Moi, je sens. Ben, écoutez, je suis quelqu'un qui suit beaucoup votre émission. Merci, monsieur le président. J'ai demandé donc au protocole de vous appeler parce que vous savez que je suis en ce moment en visite privée à Paris. Tout à fait. J'ai même écouté un titre dans lequel on parle de même pas peur, je crois, après l'attaque de Grand Bassam. Tout à fait. C'était pour féliciter ceux qui ont eu cette initiative. Oui. Et je crois que nous devons pouvoir les accompagner. Ben, merci. Écoutez, je suis très occupé en ce moment. Oui. J'ai laissé les instructions à ma directrice de communication, Mathieu Touré. Oui. Une petite enveloppe pour encourager l'initiateur. Je crois que c'est un certain Chico, comment il s'appelle, Eric Tabac, comment il s'appelle l'initiateur? Monsieur le Président, il s'appelle Chico Lacoste. D'accord, Chico Lacoste. Donc, il peut passer voir ma collaboratrice pour prendre cette enveloppe. Ben, je vous félicite, c'est cela la Côte d'Ivoire, il faut savoir réagir, oui. Il faut faire comprendre aux djihadistes qu'ils ne peuvent pas nous freiner dans notre élan de développement. Merci. Je vous remercie et on va se parler plus tard, ok? Merci beaucoup, monsieur le président, j'en ai la chair de poule. Oh là là, merci monsieur le président. Isaac, on peut lui dire bonjour au moins? Merci. Monsieur le président. Allez. Allô. Oui. Bonjour, je suis Satou Diallo, très 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 ravie de savoir que vous écoutez la matinale sur Vitamine et sur Fréquence 2. Merci d'avoir appelé. Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Et pour vous remercier, on va vous faire écouter la chanson dont vous parliez, d'accord? Vraiment, j'adore cette musique. Quand je l'ai écoutée la première fois, mais je me suis dit, mais le président n'est pas seul à lutter contre les djihadistes. Tout à fait, monsieur le président, grand merci à vous. Moi, j'en perds mon latin, c'est pas évident, c'est pas. D'accord, mais ben écoutez, moi, je pense qu'il faut aider cette initiative. Oui. C'est ça, nous sommes tous Bassam et on n'a pas peur. Merci beaucoup et portez-vous bien. Les matins d'Isaac. Bonjour, monsieur, je suis Chico Lacoste. Je vous appelle parce qu'il y a des gens qui m'appellent pour me dire voilà, le président de la République a appelé. Oui. Voilà, qui voudrait me rencontrer ou qu'il avait quelque chose pour moi. Oui. Donc je vous appelle. Les nouvelles vont vite, hein. Les nouvelles. On va voir comment ça se passe. Non, c'est pas possible. Il faut que m'appeler. Attends, Chico, logiquement, à 7h de la matinée, tu es en train de dormir? Ben, on m'a réveillé. Et... Qui t'a réveillé? Enveloppe. Des coups de fil, les gens m'ont appelé. Quand il s'agit d'argent, le président a appelé, il n'a même pas bien. Il s'agit d'argent en même temps. Papa. Nous, on allait t'appeler pour te dire ça. Qui appelle, qui dit qu'il veut me rencontrer, mais c'est la personne la plus importante du pays, mais là, on me réveille. Oui, j'imagine bien. Chico Lacoste, bon, écoute, tu as bien fait d'appeler. Nous, on va essayer de rentrer en contact donc, avec madame la directrice de la communication du palais. Et je crois que c'est plutôt elle qui peut-être va te mettre On va te donner les informations comme ça, tu as son numéro. Non, enfin, on va rappeler le numéro qui nous a appelé. Voilà. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, madame Koné. Oh oui, c'est bien moi. Tout à l'heure, nous avons reçu un appel de la présidence de la République, enfin, un appel du président de la République. Mais il n'est pas habitué en ce moment. En tout cas, nous l'avons eu en ligne il y a quelques instants. Vous êtes en direct, en fait, sur Fréquence 2. Et le promoteur a rappelé et demandé comment il pouvait rentrer en contact avec vous. Ah, d'accord. Je vois un peu de quoi vous parlez. C'est concernant, donc... Ah oui, c'est vrai, d'accord. Ne quittez pas, je vais essayer de rentrer en contact avec lui. Et puis, vous me rappelez, si possible, c'est possible. D'accord. Dans quelques secondes, hein, je crois. Dans quelques secondes. Ok. D'accord. J'essaierai de rentrer en contact avec lui. C'est parfait. Merci, madame Koné. Je crois qu'on aura Chico Lacoste. Matin, la gente est tournée à côté de nous, autour de nous, loin de nous, en vélo. Vraiment, c'est pas facile. Hein. Chico Lacoste. Matin comme ça, Chico Lacoste. Je lui l'appelle. Je rappelle que Chico Lacoste et moi, on a le même prénom. Donc, du coup. Allô? Allô?
Oui, Monsieur le Président, désolé de vous rappeler. Enfin. Oui, tout à fait. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Chico Lacoste. Non, non, c'est pas Chico Lacoste, c'est Isaac Dosso. Vous êtes à Fréquence 2. Monsieur le Président, mais, c'est d'accord. Tout. Mais, Monsieur le Président, on vous met en conférence avec Chico Lacoste, parce qu'il nous a rappelé... Le concerné, c'est celui qui a initié le projet. Tout à fait. D'accord. Mais passez-le-moi, il n'y a pas de souci. C'est mon frère. Un instant, je vous prie, Monsieur le Président, gardez l'écoute. Président, il y a plein de loyaux. Gardez l'écoute. Non, non, petit, ne vais pas expliquer tous tes problèmes. Hein. je crois qu'il est en ligne. On ne gagne pas comme ça. Allô, Chico ? Allô ? Oui, le président de la République, je vous mets en conférence, là. D'accord, d'accord, d'accord. Allô ? Allô ? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le président. C'est Chico Lacoste ? Oui, monsieur le président. D'accord, ben écoute, tout à l'heure, j'ai parlé avec les animateurs de la radio. Je leur ai fait savoir que je suis très heureux de votre initiative et que je m'attellerai donc à vous recevoir dès que je serai sur Abidjan. Je suis actuellement en visite privée à Paris, vous le savez certainement. Je voudrais vous dire merci parce que le monde entier aujourd'hui comprend que les Ivoiriens sont des beaux, les Ivoiriens n'ont pas peur. Et en tant que chef, ça me réjouit. Et je dois pouvoir vous accompagner avec un peu de moyens. Alors, donc, vous rentrerez en contact avec mon service de protocole. Et puis, j'ai donné des instructions à Master Retouré pour vous remettre une enveloppe. Et je vais vous recevoir. Alors, ça va. Oui. Le projet, vous n'avez pas eu du mal à le réaliser? Ça a été rapide, hein? Allô? Monsieur le Président, c'était la pierre que nous pouvions apporter à l'édifice. Écoutez, je dois recevoir pas mal de diplomates ce matin. Alors, je ne vais pas être long. Je vais vous laisser donc avec Master Retouré, mais je vais vous recevoir. Donc, Chico Lacoste, bravo, je suis très content. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, thank you. Merci beaucoup. Les matins d'Isaac. Bon, alors, on a Chico Lacoste en ligne. Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour, Chico. Il a quel... Oui, bonjour. Tu as quel niveau, en fait ? La radio, mais je suis dans un bouchon terrible. Oh là là. Bon, écoute, Chico, nous, on a une autre nouvelle à t'annoncer. Oui. C'est qu'en fait, depuis ce matin, tu n'as jamais parlé au président de la République. Et il s'agissait en fait d'un gros poisson d'avril. Hein? Non, Isaac, non, tu vas me dire ça. Non, mais je suis sérieux en plus. Quoi? Je prends à témoin les auditeurs de Fréquence 2. Mais on est gentils. Vous êtes mauvais. Chico, peut-être que le message est arrivé là-bas, on ne sait jamais. Tu vas te faire quoi? En tout cas, mon mari est d'accord avec T'as raté le petit-déj? Tant que t'as pas raté les matins d'Isaac, c'est parfait.